Grand Lille TV, l'info locale en continu. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On fait tout de suite un tour de l'actualité de votre région. Mais avant, on regarde les conditions météo. Ça s'est bien rafraîchi dans la région. 5 degrés aujourd'hui, mais un grand et beau soleil. Et bonne nouvelle, ça devrait continuer comme ça toute la semaine. Un point plus complet sur votre météo à la fin de notre édition. Et à la une de ce journal, la victoire de François Fillon hier soir à la primaire de la droite et du centre. L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy l'a remporté haut la main en France et le Nord a suivi la tendance. Dans la région, François Fillon a remporté 67,6% des voix. Et dans le Pas-de-Calais, le succès est encore plus net avec 73% des voix pour François Fillon. Seuls les territoires de Lille et Roubaix font l'exception avec une plus forte mobilisation pour Alain Juppé. La ville de Martine-Aubry a donc penché pour Alain Juppé après que la maire de Lille ait qualifié François Fillon dimanche dernier d'archaïque et réactionnaire. Le procès de deux hommes accusés d'avoir tué deux personnes dans la discothèque Le Théâtre en 2012 s'ouvre aujourd'hui. Je rappelle les faits. En juillet 2012, la boîte de nuit lilloise avait été le terrain d'une fusillade. Deux hommes à qui l'entrée avait été refusée avaient ouvert le feu. Deux personnes ont été tuées. Sabrina Vasseur, âgée de 25 ans. La jeune femme travaillait dans les vestiaires ce soir-là. Et Hamza Belaïdi, un client. Le procès s'ouvre donc aujourd'hui aux Assises du Nord. Plus de 4 ans après les faits. 40 offres d'emploi et 50 offres de stage dans le domaine du numérique sont à pourvoir demain depuis le site de la Planimage à Tourcoing. La Planimage rassemble des entreprises de l'industrie créative qui englobent entre autres le multimédia, la production cinématographique ou encore le design. Au programme de cette journée, stage dating, table ronde, workshop, des rendez-vous en continu toute la journée pour que les intéressés saisissent des opportunités. C'est la quatrième édition, quatrième année que la Planimage organise une journée comme celle-ci. Plus d'explications à ce sujet au micro de Xavier Silly. On a à peu près 80 offres en termes de stage et en termes de job. Donc ça va être à la fois dans le domaine du développement informatique, qui est un métier très recherché dans notre secteur d'activité, également des métiers plutôt créatifs, des métiers de la communication et également des métiers sur des fonctions support et dans le business développement. Ça s'adresse vraiment effectivement à tous, puisqu'on souhaite vraiment informer, sensibiliser des personnes qui ne sont pas forcément aujourd'hui intéressées ou bien informées sur ces secteurs d'activité. Secteurs d'activité qui sont très importants pour notre région et très pourvoyeurs d'emplois, mais également des personnes qui sont très qualifiées et qui cherchent de nouvelles opportunités pour leur carrière professionnelle. Ça se passe donc demain à la Planimage de Tourcoing. Le nouveau plan de circulation en vigueur depuis cet été ne suscite pas que des critiques négatives, il fait également des heureux. Le collectif Place aux piétons, qui regroupe 13 associations, salue les bénéfices de ces changements. Ils estiment que les nuisances sonores sont moins fortes et que la pollution a diminué. Résultat, les promeneurs auraient davantage envie de se balader dans le centre. Le collectif affirme également que les services de secours circulent mieux rue Faidherbe. Les associations parlent de ce plan comme la plus grande avancée depuis 10 ans. Seul petit bémol, ils voudraient que la grande place soit entièrement réservée aux piétons, avec tout de même un accès au parking. Edil Gunay a rencontré Gilles Laurent, animateur du collectif. Nous, clairement, le schéma idéal, et on s'appelle comme ça Place aux piétons, parce que pour nous, l'objectif, c'est la piétonnisation de la Grand Place. Je veux dire, même si là, on a déjà fait 90% du chemin, parce que la circulation aujourd'hui, c'est d'un calme absolu par rapport à ce que c'était il y a un an. Bon, bien sûr, moi, je prends Strasbourg, par exemple, qui est une métropole européenne aussi, d'une certaine façon. Vous voyez tout le centre de Strasbourg. Il est pour ainsi dire piéton. Enfin, il y a des voitures qui peuvent circuler, bien sûr. Il y a des accès à des parkings aussi. Mais il y a très, très, très peu de voitures dans les rues. C'est limité vraiment aux riverains. C'est une autre dimension. Je veux dire, à Lille, on est petits bras, là, complètement. On dit que les chiens sont les meilleurs amis de l'homme. Eh bien, encore une fois, ils le prouvent. Depuis 17 ans, l'association Le Cœur sur la Patte aide les personnes malades à retrouver le moral et développer leur sens en les mettant en contact avec ses compagnons à quatre pattes. L'association fait le tour des établissements médicaux et maisons de retraite. Un moment de pur bonheur pour les résidents. Évidemment, les animaux ne sont pas choisis au hasard. Ils répondent à des critères pour éviter tout risque et sont surtout très sociables. Xavier Silly s'est rendu à la clinique Mao de Terremonde à Béthune pour assister à cet atelier. Je vous propose d'écouter l'une des bénévoles de l'association.
On n'est pas du tout en retard, au contraire, puisque je vous dis, ça fait 17 ans qu'on existe, et à l'époque, c'était très peu connu. Par contre, notre grande spécificité, excusez-moi, c'est que nous sommes bénévoles, alors que maintenant, comme ça a beaucoup de succès, il y a beaucoup d'endroits où ils se font payer très très cher, mais nous, on reste bénévoles. Donc on est une grosse antenne bénévole, on a même quelques antennes dans les Côtes d'Armor et Ille-et-Vilaine. Et notre spécificité, c'est ça, quoi. C'est le don qu'on retrouve encore dans le Nord-Pas-de-Calais, le don de soi des gens pour aller par l'intermédiaire de leur animal vers les personnes souffrantes. Et on écoute tout de suite les participants à l'atelier. Ça fait plaisir aux personnes. Caresser un animal, tout ça. Bon, moi, j'ai toujours eu des chats, des chiens. J'ai eu Ayouski aussi. Alors, hein. J'ai toujours aimé les bêtes. J'ai toujours aimé les bêtes. J'ai eu, quand j'étais gosse, j'ai eu un poussin. La bête, elle me suivait partout. Quand je vous dis que partout. Dans les rues, j'allais faire mes courses avec elle. Quand on aime bien les animaux, ben, on vient. Hein. Moi, quand on m'a dit ça dans la chambre, je dis, j'y vais tout de suite. Je dis, ça fait du bien justement de voir des animaux. Moi, je dis, c'est quand on aime les animaux, justement, ça fait du bien de revoir comme ça, une petite caresse, tout ça. Puis ils aiment bien les caresses, tout ça. Ça fait du bien. L'association a besoin de bénévoles. Si vous souhaitez donc leur donner un peu de votre temps, n'hésitez pas à les contacter. Et si vous souhaitez d'ores et déjà avoir plus d'informations sur l'association, vous pouvez vous rendre sur leur site internet www.lecoeursurlapatte.com. Et on termine avec cette information sportive. Laurent Blanc aurait refusé d'entraîner le LOSC. Selon le journal L'Équipe, Laurent Blanc, l'ancien entraîneur de l'équipe de France et du PSG, aurait été sollicité pour succéder à Frédéric Antonetti, mais il aurait décliné la proposition. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point complet sur votre météo avec Clotilde Guevac.